Bonjour et shalom à tous. Vous êtes bien dans notre émission La Tente de Sarah sur notre chaîne Victoire et Live. Bonjour et Je shalom. pense que nous allons passer encore un très bon moment par la grâce de Dieu. Ça fait depuis 13 jours que nous étions ensemble, compte tenu de d'autres préoccupations, le Seigneur ne nous a pas accordé le temps à l'intervalle parce qu'on a été toujours ensemble avec vous dans cette émission à cet endroit chaque samedi à cette heure-là pour partager des choses du royaume. Bien-aimés, quand nous prêchons l'évangile, c'est une nécessité qui nous est imposée. Nous saluons tous les bien-aimés qui est déjà en ligne et qui nous suivront peut-être en différé ce soir dans vos voitures, sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs. Nous vous souhaitons que la grâce de Dieu vous soit encore multipliée parce que nous serons là, bien-aimés, pour partager ne fût-ce qu'une petite grâce que le Seigneur nous a accordée. On vous a toujours dit que nous sommes les moindres dans ces choses. Il y a les éminents hommes de Dieu qui peuvent parler mieux que nous, mais nous, nous sommes seulement en train de partager avec vous une petite grâce qu'on a reçue de la part du Seigneur pour exhorter quelqu'un, pour bénir une personne. Je pense que la fois dernière, on avait parlé sur la bête, mais aujourd'hui, nous revenons vers vous, bien-aimés, pour parler sur un thème qui sera intitulé Les langages des signes. Dieu parle par des signes, mais c'est par rapport à ce thème que nous allons partager aujourd'hui. Bien-aimés, nous passons un moment un peu compliqué pour quelques-uns d'entre nous. Il y a mon bien-aimé apôtre Salomon en Angola, Manzambi, un ami pour moi. Il a perdu sa grande sœur, une sœur à nous tous, qui a tué révérence cette semaine, dont mon apôtre est tellement effondré par rapport à cette disparition. Je suis en train de consoler mon bien-aimé apôtre Manzambi, demander encore la grâce de Dieu sur lui en lui disant que David a dit à son fils qui était mort que tu es le premier à partir. Il savait que c'était le chemin de tous les vivants. La sœur nous a précédés, mais la sœur nous a quand même exhortés pour comprendre qu'il y aura la fin. Un jour, nous allons tous mourir. Peut-être on avait oublié quand on voyait le voisin mourir, les frères d'un frère mourir. Mais aujourd'hui, quand ça a frappé à la porte de notre famille, je pense que c'est encore pour réveiller notre conscience, pour savoir qu'un jour, nous allons aussi partir comme notre grande sœur qui est partie. Que le Seigneur fortifie toute la famille. Que le Seigneur puisse organiser aussi les obsèques au Congo là-bas. Je pense que le Seigneur suscitera des mains et des moyens pour que les obsèques se passent dans de bonnes conditions pour la gloire de Dieu. Je ne manque pas aussi à soutenir quelques bien-aimés de l'Église. Il y a la sœur Mimi Tchala qui a perdu sa maman aussi le samedi dernier. Je pense que la maman, elle a été déjà enterrée aujourd'hui là, à Kinshasa. Je pense que nous serons ensemble ce soir à l'église pour une soirée mortuaire où tout le monde sont invités d'être là à Neuilly-Plaisance au 20 boulevard Gallieni pour souffrir, pleurer avec notre sœur. Je pense que nous la souhaitons aussi nos condoléances et nous sommes ensemble, nous serons aussi ensemble ce soir avec lui. Nous n'oublions pas Papa Alphonse. Papa Alphonse, notre frère Alphonse,
a perdu aussi sa maman, toujours cette semaine. Et je pense que hier, on était à Brétigny et quelques bien-aimés aussi s'y rendront aussi à Brétigny. Nous serons partagés par rapport à ces événements qui ne nous ont pas demandé d'avis, mais Dieu fait tout ce qu'il veut comme il veut. C'est pourquoi nous fortifions notre frère Alphonse. Et la grâce de Dieu soit sur lui, le Dieu qui a blessé, qu'il puisse aussi bander les plaies. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et sur toutes vos familles. Nous allons aborder cette émission aujourd'hui, la tante de Sarah, avec toutes ces communiqués nécrologiques qui nous ont surpris cette semaine. Mais nous savons que Dieu voulant, nous allons essayer quand même d'aborder quelque chose aujourd'hui pour partager avec tous les bien-aimés, les fidèles de cette émission. Je pense que sœur Blandine Zoka, cette sœur, elle manque jamais à être là. Nous la saluons aussi, que Dieu soit pour elle un bouclier, un rempart, une haute retraite et une refuge. Dieu protège tes enfants, ton mari, que la grâce de Dieu revienne sur toute ta famille. Nous bénissons tous les bien-aimés qui vont encore nous écouter. Mais aujourd'hui, nous allons parler des langages des signes. C'est ça notre thème du jour, les langages des signes. On prendra tout le temps que le Seigneur nous donnera pour parler de ce thème, les langages des signes. Nous sommes inspirés par ces thèmes. Il y a une écriture qui va nous aider à parler sur le langage des signes. Vous regardez bien aimé, il y a un muet, un malentendant. Le malentendant, tu ne peux pas lui parler parce qu'il ne va pas écouter ce que tu lui dis parce que ses oreilles n'entendent pas bien. Il faut que tu commences à parler avec les signes. Il y a les signes que le malentendant, il n'entend pas les voix, mais il faut lui parler avec les signes. Mais c'est des signes-là qu'on va parler aujourd'hui, les langages des signes. Dieu utilise aussi les langages des signes. Je pense que, pour être précis, je vais vous prendre une écriture. Je vais vous prendre une écriture. L'écriture que je vais prendre, vous allez les trouver. Je prends une écriture dans la parole. L'écriture que je vais prendre, ça sera dans le livre d'Ésaïe. On prendra Ésaïe chapitre 9. C'est pour commencer notre enseignement de ce jour. Je vous ai dit Ésaïe chapitre 9, ce n'est pas Ésaïe chapitre 9, c'est Ésaïe chapitre 7, les versets 14. Ésaïe chapitre 7, les versets 14. Je pense que dans le chapitre 9, il y a aussi une pensée apparente, mais ce n'est pas de cette pensée-là que nous voulons parler, mais nous voulons parler du pensée qui est dans Ésaïe chapitre 7. Le verset 14, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Nous vous entendons, on va y aller doucement pour que chacun de nous, on puisse tous marcher ensemble sur le même pas. Soyez bénis par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous soit favorable cet après-midi. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
et elle lui donnera les noms d'Emmanuel. J'aime lire dans ma version parce que cette version-là n'est pas la version que moi j'utilise. Mais je vais lire dans ma version, vous allez voir une petite différence. Je l'ai relis l'Écriture au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des langages des signes. Vous remarquerez avec moi ici, le prophète Ésaïe, il est en train de parler au peuple de Dieu. Il dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ah, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous parlons d'un Dieu des signes. Ici, nous parlons d'un langage. Dieu ne parle pas comme ça, comme les hommes, mais Dieu parle avec les signes, un langage des signes. Bien-aimés, remarquez avec moi, les disciples de Jésus, ils ont posé une question à Jésus. Ils font remarquer à Jésus une belle construction. Jésus lui dit que cette construction que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Et les disciples, ils répondent, ils retroquent encore la question au Seigneur Jésus, mais quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? C'est là où Jésus commence à donner que les signes, parce que le Seigneur parle qu'avec les signes. Regardez bien aimé, une femme qui a ses indispositions tous les mois, mais chaque femme a des signaux qui lui dit que non, attention, bientôt, le période habituelle va arriver. Ça, c'est le cycle mensuel qu'une femme a. Mais avant que le cycle tombe, il y a des signaux. Je pense que je suis en train de parler à une femme. Toute femme connaît son corps. Il sait que non, aujourd'hui, comme j'ai mal au ventre, comme j'ai des maux de tête, comme j'ai des seins qui gonflent, je sais que cette semaine ou demain, la journée ne finira pas. Je verrai mes cycles. Les dieux des signes. Les dieux, ils parlent un langage des signes. Regardez. Il est en train de promettre le salut à Israël. Il dit que voici les signes que je vous donne. Une fille vierge deviendra enceinte. Et cette fille qui deviendra enceinte, il mettra au monde un enfant qu'on donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec son peuple. Dieu au milieu de nous. Dieu avec nous. C'est ça, Emmanuel. Dieu, il donne un signe pour le salut de son peuple. Une femme vierge deviendra enceinte. C'est un signe que Dieu donne. Bien-aimé, Israël a été visité. Visité comment? Parce que Marie, la mère de Jésus, était vierge au moment de tomber enceinte. Nous bénissons le Seigneur parce que parler d'une vierge, bien-aimé, c'est encore un langage que Dieu est en train de dévoiler, de comprendre que Dieu ne parle pas d'une vierge pour rien. J'ai toujours dit aux hommes, ne reproche pas ta femme d'avoir une vie passée. Si tu as épousé une femme vierge, gloire à Dieu. Mais une femme qui a vécu des aventures avant toi, bien-aimé, tu dois comprendre que toute femme que dont toi tu n'as pas encore connu, cette femme-là est vierge pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne définissons pas la virginité,
comme les gens les croient et les pensent. Mais notre Dieu, il nous appelle aujourd'hui l'Église comme des vierges. Mais de quelles vierges dont la Bible parle? Parce qu'avant de venir au Seigneur, on a tous eu des maris. Bien-aimés, dans ce monde, il y a pas plusieurs hommes, il n'y a pas plusieurs maris, il n'y en a que deux. Les deux maris qui ont dans ce monde, il y a le diable et il y a le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Je vais vous prendre une écriture. J'aime le Seigneur parce que quand on parle, il ne manque pas à nous donner les témoins pour soutenir tout ce qu'on est en train de dire. Je prends Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas. Romains, je suis en train de parler sur les lois du mariage. Je suis en train de chercher ensemble avec vous l'Écriture, parce que l'Écriture vient de nous venir là. La Bible parle que la femme est liée à la loi du mariage tant que son mari est vivant. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Mais elle deviendra la femme de quelqu'un d'autre si l'homme meurt. Tant que l'homme est vivant, l'homme ne peut pas épouser. C'est-à-dire que le mariage, le remariage dans notre enseignement n'existe pas. Le mariage est ta vie. C'est-à-dire que quand tu épouses un homme, tu l'épouses pour toute ta vie. Ce qui peut te faire que tu puisses te remarier, seulement si la mort de l'homme est constatée. Je pense que je vais prendre cette écriture avec ma Bible, parce qu'avec l'ordinateur est en train de se bloquer. Je vais prendre la lettre. Je reviendrai sur cette écriture, mais nous allons continuer avec la pensée. J'étais en train de vous parler qu'il y a deux maris dans ce monde. Il y a Jésus et il y a le diable. Maintenant, Jésus, qui est notre mari, au jour d'aujourd'hui, nous disons que tu ne peux pas épouser un autre homme si le mari actuel est encore vivant. Ou bien tu as divorcé. D'après les Écritures, il faut que la mort de l'homme soit constatée pour que tu puisses prendre l'engagement avec et notre mari. On y reviendra avec cette écriture.
Mais vous allez remarquer avec moi que ici, nous sommes en train de parler d'un langage des signes. Marie, vierge, est devenue enceinte. Marie a mis au monde un fils qu'on a appelé Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Dieu, pour sauver son peuple, il devrait devenir un fils. Il devrait porter la chair. Dieu, en tant que Dieu de la création, en tant qu'un père, ne peut pas sauver. Mais Dieu, pour sauver, il a accepté de venir, de donner un signe que quand vous verrez une vierge devenir enceinte, vous allez voir comment Dieu oppose les choses. Avant qu'une vierge devienne enceinte, Dieu va aller préparer la voie par une vieille femme. Hein? Nous allons parler d'une vieille femme qui tombe enceinte avant qu'une vierge tombe enceinte. C'est cette illustration qui va beaucoup plus nous intéresser. Nous allons prendre Luc, chapitre 1er. Évangile de Luc, chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 1er. Je vais commencer au verset 1er. Notre enseignement, nous allons nous baser sur cette écriture. C'est cette écriture qui va beaucoup plus nous inspirer et nous donner des arguments où nous allons utiliser pendant tout notre enseignement pour parler les langages des signes, comment Dieu parle avec les signes, pourquoi aussi Dieu parle avec les signes. Écoutez, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Shalom. Ici, j'aimerais vous dire que celui qui écrit cet évangile, il y a 4 évangiles. Il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Luc et celui de Jean, le 4e. Mais le 3e écrivain, il s'appelle Luc. Maintenant, Luc est en train de faire une démonstration. Il dit que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, ici, notre bien-aimé Luc, il veut nous dire que non, lui, il n'était pas au début avec le Seigneur. Il n'était pas dans la marche, il a ramassé des choses, il a les reçus par des témoins oculaires qui ont marché avec le Seigneur. Parce que Luc ici, il était médecin. Luc, il était un médecin dans son temps. Bien-aimé, Dieu ne prend pas seulement les gens de rien. Les gens sans valeur, les gens qui n'ont rien pour les ramener dans ces choses, non. Dieu va aussi appeler les gens de valeur, comme Luc ici, il était médecin. Mais il est en train d'écrire à un certain Théophile, c'est ça qui nous intéresse ici. Luc a écrit à Théophile. Ça, c'est la toute première lettre dont Luc a écrit dans la Bible. Mais je suis en train de vous apporter quelque chose pour vous dire que Luc n'a pas écrit seulement l'évangile de Luc.
Je suis là frère pour votre instruction et pour votre connaissance. L'émission La Tante de Sarah, nous ne sommes là pas là pour lire entre les lignes, mais nous voulons poser les choses. Nous voulons poser les bases, les fondements. Les gens qui croient que les choses qui ont été écrites dans les livres des Corinthiens, c'est par rapport au désordre qui était à Corinthe. Non, bien-aimés, tous ces livres que nous lisons dans la Bible, c'était des lettres. C'était des exposés que les écrivains ont exposés à un peuple, à un groupe de gens. Donc, tous ces écrits ont toujours une actualité pour l'Église, même au jour d'aujourd'hui. Vous allez remarquer avec moi une chose. Je vais courir encore pour vous prendre Actes des Apôtres, chapitre 1er. Avant de commencer cet enseignement, j'ai eu à partager avec mes enfants, ils sont avec moi, parce qu'ils m'ont posé la question à première vue, mais papa, pourquoi ils parlent de Théophile? Ils m'ont posé la question. C'est cette démarche que je suis en train de faire avec vous, que j'ai fait aussi avec eux. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er. Écoutez, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, ce qu'on vient de lire dans le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'à ce jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à cependant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je suis venu ici, frère, pour seulement vous dire que les Théophiles qu'on a lus dans Luc chapitre 1er, c'est le même Théophile qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus. Il a dit que ce qui était dans l'Évangile, c'est ça, le premier récit que Luc a écrit, Luc le médecin. Je reviendrai avec l'Écriture qui parle que Luc il est un médecin pour ne pas vous laisser... Je pense que et je n'ai pas tous les disciples connectés parce que souvent, quand je suis en train de tâtonner avec des écritures, il y a les bien-aimés qui m'ont toujours aidé avec les écritures. Mais là, nous allons tellement avancer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous allez remarquer avec moi que le Théophile dont nous sommes en train de parler ici était un disciple dont Luc était en train d'apporter la parole, était en train d'exposer les choses de Dieu. Remarque avec moi, frère, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais c'était seulement pour votre connaissance. Mais dans cette même écriture, nous allons apprendre plusieurs choses. Mais je voulais que cette petite remarque ne vous en échappe pas pour comprendre, pour enseigner tout ce qui ont l'habitude de dire que quand Paul dit « Je ne permets pas aux femmes d'enseigner, d'être habillées d'une manière décente », c'était par rapport au désordre qui était à Corinthe. Vous êtes à côté de la plaque, bien-aimée. Toutes les lettres qui ont été écrites dans la Bible nous concernent. C'est pour notre salut. C'est parce que ces choses à faire, c'est par rapport au mystère du royaume. Écoutez, je vais continuer la lecture. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, toutes ces choses depuis l'origine et de te l'exposer par écrit d'une manière suivie
excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bien-aimé, l'enseignement doit être certifié. Il y a aujourd'hui des personnes qui marchent avec du sel dans la Bible. Avant de dormir, tu es en train d'asperger du sel autour des lits. Bien-aimé, cet enseignement, est-ce que tu l'as certifié que cet enseignement est biblique? Bien-aimé, l'usage des bougies allumées dans des chambres et dans des maisons des enfants de Dieu. Est-ce que cet usage est-il dans les Écritures? L'huile d'onction que vous êtes en train de salir vos draps, vous êtes en train de salir les habits de vos enfants chaque jour avant de dormir, viens prendre l'huile d'onction. Non, frère. L'huile est bonne dans les repas, dans la nourriture. Bien-aimé, l'huile véritable aujourd'hui n'est pas physique. Je vais vous prendre des exemples dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, nous avons des rois. Nous avons David comme roi d'Israël et nous avons Saoul. Mais la manière d'oindre ces deux rois n'est pas pareille. David a été oué par corne. Et Saoul a été oué par fiole, bien-aimé. Bien-aimé, il faut avoir la certitude de l'enseignement. La certification de l'enseignement, bien-aimé, c'est les écrits. Un prédicateur ne peut pas apporter l'enseignement dont il n'a pas les soubassements, dont il n'a pas les supports, bien-aimé. L'appui de notre enseignement, c'est les Saintes Écritures. C'est pourquoi vous avez vu, je vous ai parlé de Théophile dans Luc. Je suis allé encore apporter le même Théophile dans Actes des Apôtres pour vous dire que notre enseignement ne monte pas dans nos cœurs, dans nos pensées seulement, mais nous avons les soubassements. C'est ce que Luc est en train d'écrire à Théophile. Il dit que afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bien-aimé, les enseignements que tu as reçus, est-ce que tu as la certitude? Parce que pour avoir la certitude de la connaissance des enseignements que tu as reçus, il faut que tu aies une preuve des écrits. Il faut que l'enseignement soit certifié. Les gens qui font, qui achètent les sacs de valeur, les chaussures de valeur, même les lunettes de valeur, il y a un certificat, on certifie que la chose que tu as achetée, c'est l'original. Ça a été certifié par les créateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas avec l'enseignement. Ne ramassons pas les choses comme ça, dont tu n'as pas les traces dans les Écritures. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils portent les toges dans les églises. Bien-aimé, l'Église catholique est redevenue ancienne parce que le pasteur, les ministres, les bishops, les archibishops, les généraux, les évêques, les mots étranges dans les Écritures. Pourquoi vous prenez les mots? Regarde, on dit le ministère de la parole. C'est ce que j'aime ça. J'aime. Luc, il est en train de dire que les témoins oculaires qui étaient dans ces choses dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Bien-aimés, les ministres de la parole, il n'y a pas un général. Les ministres de la parole, il n'y a pas un extra, je ne sais pas. Les noms que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, un archibishop n'est pas ministre. Tu ne peux pas être un ministre archibishop, il n'y a pas dans les Écritures.
Un ancien, parce que bishop, c'est un ancien en anglais. C'est un pasteur de charge. Un pasteur choisi par les fidèles. Comme les ministres, ils ne sont pas liés à l'assemblée locale. Ils sont demandés par-ci, par-là. Mais quand on choisit un ancien, l'ancien sera lié à son assemblée locale. Tu ne peux pas être ancien en EI, aller redevenir ancien, je ne sais pas, à Morangis, je ne sais pas, à Villeneuve ou à Saint-Denis. Non. C'est anti-parole. On te reçoit à Saint-Denis comme ancien d'EI. Et tu ne redeviendras jamais ancien là-bas. Pour redevenir ancien là-bas, tu dois répondre aux critères. L'enseignement que vous avez doit être certifié par les Écritures. Toi qui appelles ton pasteur bishop, il n'y a pas dans les Écritures. Les généraux, il n'y a pas. Les gens qui sont en train de porter les toges, je ne sais pas, frère, c'est de nouveau l'Église catholique en scène. Les églises de réveil ont dévié parce qu'il n'y a pas la certitude des enseignements que vous apportez dans vos assemblées. Dieu a un langage, frère. Quand Aaron et ses enfants avaient une façon de s'habiller, c'était un langage de signes. Dieu parlait par des signes. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Dieu a une façon de parler par des signes, un langage de signes. Écoutez. Je suis au verset 5 dans Luc chapitre 1er. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. J'aime ça. Bien-aimé, j'aime ça. Cette Élisabeth, la femme de Zacharie qui était sacrificataire, était parentée à Marie. Dieu donne un signe à son peuple qu'une femme vierge deviendra enceinte. Et elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, dont j'ai expliqué que Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de son peuple. Dieu pour sauver, il devrait passer par une femme vierge. Ah, j'aime ça. Mais regardez une chose. Avant d'arriver à cette femme vierge, on commence à passer par Zacharie qui était sacrificateur et qui était époux d'Élisabeth, qui était de la famille d'Aaron. Ah, il y a un problème ici. Parce que Zacharie sacrificateur, tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'es pas de la maison d'Aaron. Pour être sacrificateur, il faut être de la maison d'Aaron. C'est ça l'ordre en Israël. Ce n'est pas que tout Israël peut devenir sacrificateur, non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une écriture dont notre bien-aimé Paul parle. Il dit qu'il est notoire que Jésus-Christ est sorti donc d'un tribu dont la loi n'avait rien dit de sacrificature. Ah! Mais nous avons les yeux de voir quelque part que Jésus
appartenait à des tribus. Parce que son père était des tribus de Juda. Et sa mère ici, qui était parenté d'Élisabeth, de la famille d'Aaron. Toute personne qui appartient à la famille d'Aaron, c'est un lévite. Jésus était lévite de par sa mère et par son père, il était des tribus de Juda. Dieu a fait cet mélange pour que Jésus ne soit pas condamné quelque part. Regardez bien, mais je vous ai toujours dit aux prédicateurs qui disent aujourd'hui que non, et n'ont pas été baptisés parce que la chose est tombée, ils sont les premiers à recevoir ces choses. Bien-aimé, un homme qui n'est pas baptisé, il ne verra pas le Seigneur. Je vous avais expliqué ça la dernière fois, frère. Dieu, il est tellement organisé. Non, frère. Regardez dans cette écriture. Nous allons voir ça, frère. Jésus-Christ devrait naître. Mais Dieu envoie quelqu'un avant la naissance d'un Emmanuel, d'un sauveur du monde. Jean-Baptiste a précédé Jésus parce que Jésus ne devrait pas s'échapper à l'ordre établi. Il devrait passer par les eaux de baptême. Mais dites-moi, frère, qui de vos pères dont Dieu se dérobe à sa manière de faire, à sa manière d'agir, nous dire que non, nous, on n'a pas reçu de quelqu'un. Non, frère, tu as lu dans la Bible. Toutes les choses que vous répétez aujourd'hui, frère, il n'y a personne qui ne peut pas. Frère, c'est du mensonge. Nous dire que non, frère, vous avez reçu ces choses. Nous excusons. Et par rapport, on avait écrit de ne pas déranger. Il y a quelqu'un qui est en train de nous déranger là. Je pense que ça ne va pas couper notre direct. Gloire à Dieu, nous sommes revenus. Et voilà, il y avait quelqu'un qui était en train d'appeler. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que la ligne sera rétablie d'un moment à l'autre. Voilà, s'il y a quelqu'un qui... Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons cheminer avec notre enseignement. Vous allez voir que Dieu a fait que Jean-Baptiste soit né avant que Jésus soit né pour que la doctrine soit respectée. Je suis en train de continuer avec la lecture. Tous deux étaient justes devant Dieu. Je prends les versets 6 du chapitre 1er. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Dieu passe par une vierge, une jeune fille, mais avant que la vierge tombe enceinte, Dieu passe par une vieille dame, un vieux monsieur dans leur vieillesse. Regardez, bien-aimés, notre Dieu, il ne ment jamais. Hein? Il y a l'impossibilité, c'est Dieu de mentir. Il est derrière ses promesses pour les accomplir. Bien-aimé, si Dieu t'a promis quelque chose, attache-toi à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. Regardez ici. Comme Abraham et Sarah, ils ont eu un fils dans leur vieillesse. Il y a encore un autre sacrificateur qui a eu un fils dans sa vieillesse. Regardez, nous continuons avec la lecture. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de la classe, il fit appeler par les sorts. D'après les règles du sacerdoce,
à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum, pour offrir le parfum. D'après tout, la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur a apparu à Zacharie et se tient debout à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Soyez bénis. Bien-aimés, je suis en train de faire cette lecture jusqu'au début parce que j'ai des choses à ramasser ici. Bien-aimés, regardez. On est en train de promettre à Zacharie, qui était sacrificateur, l'époux d'Élisabeth, qui était tous les deux avancés en âge, Élisabeth stérile. Il n'y a pas une femme stérile dans la Bible. Toute femme stérile dans la Bible, c'est Dieu qui était à la base pour glorifier son nom. Je suis en train de te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Toi qui te dis stérile aujourd'hui, frère, toi qui te dis stérile aujourd'hui, ma soeur, ta stérilité, ce n'est pas pour que tu meurs avec, mais c'est pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie, pour que d'autres personnes puissent avoir que ton cas soit le sujet de joie pour plusieurs personnes. Mais remarquez avec moi une chose. La Bible dit, car l'enfant sera grand devant le Seigneur. Bien-aimé, il y a les conditions de la grandeur. L'enfant qui sera grand devant le Seigneur, il ne prendra ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ah, gloire à Dieu! Bien-aimé, un homme qui veut être grand devant le Seigneur, il doit s'abstenir des boissons. Il doit s'abstenir des liqueurs fortes. Les saints, bien-aimé, il y a une écriture. Je préfère qu'on trouve cette écriture. Ça sera très important. Allons dans l'Éphésiens. Éphésiens, je vous dis que souvent, il y a les écritures qui nous tombent quand on est en train de parler. Éphésiens, chapitre 5, voilà. Là, on a trouvé l'écriture. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Éphésiens, chapitre 5, les versets 18. Merci, Seigneur. Éphésiens, nous sommes toujours dans l'émission La Tente de Sarah, sur Victoire et Life. Soyez bénis, bien-aimés, nous saluons votre présence. Nous sommes ensemble par la grâce de Dieu pour ce moment que le Seigneur nous a accordé. Regardez ce que la Bible dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit.
Bien-aimé, un homme rempli du Saint-Esprit ne discute même pas par rapport au vent. Ce n'est pas même le débat. C'est un signe, frère. Si tu trouves un frère qui boit encore du vin, un frère qui cherche encore à discuter par rapport au vin, c'est un frère charnel. Il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Bien-aimé, ne croyez pas que le Saint-Esprit, c'est seulement les agitations. Qui est au milieu de nous, les prophéties. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance de la parole. La parole que je vous ai enseignée est esprit et vie. Celui qui a la parole de Dieu, il a le Saint-Esprit. Vous avez l'onction et l'onction vous enseigne. Ne vous enivrez pas du vin. Quand tu trouves un frère, malgré les années qu'il a fait dans les choses de Dieu, il a encore des débats sur le vin de table, avant de manger, les liqueurs fortes. Non, bien-aimé, comprends que lui n'a pas le Saint-Esprit. C'est un frère de la chair, ne perds pas le temps. Regardez, frère, même Élisabeth a eu l'interdiction de boire parce que l'enfant qui était à l'intérieur d'elle, cet enfant sera grand. La grandeur de l'enfant, elle ne prendra pas du boisson et elle ne touchera pas aux liqueurs fortes. L'enfant sera rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Frère, ne nous donne pas toutes ces choses que tu nous dis. Non, frère, moi je prends seulement un verre avant de manger. Oh, je le prends seulement chez moi à la maison avec ma femme. Frère, ce n'est pas le problème de le prendre chez toi à la maison. Ce n'est pas le problème de le prendre devant ta femme. Le problème est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Est-ce que as-tu le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Il y a les gens qui viennent à l'église pour faire que les nombres. Les gens, ils croient que l'église, c'est stade de Marseille, stade de Paris Saint-Germain, où on peut se retrouver pour faire le bruit, soutenir je ne sais pas qui ou qui. Non, frère, l'église est différente des stades de football. Il y a les frères qui viennent dans les églises, comme ils se rendent dans des stades, comme ils se rendent en train de regarder match de Lyon, je ne sais pas, de Marseille ou de PSG, ou Liverpool avec Real de Madrid. Non, bien-aimés. Nous venons dans l'église du Seigneur. L'église, c'est Jésus qui est Seigneur. Il y a des normes. Frère, quand on a lu, on nous a dit que Zacharie, qui était sacrificateur, Zacharie devait se rendre dans le temple selon les règles. Il n'était pas le seul sacrificateur. Il avait son tour de se rendre sur l'autel pour aller faire le service. Il y a les règles, frères, et les normes à suivre dans la maison du Seigneur. Jean le Baptiste qui devrait naître, parce que l'enfant sera grand, il ne devra pas boire ni toucher aux boissons enivrantes. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il ne boit pas. Il ne boit pas. Je ne t'interdis pas de boire. Mais le Saint-Esprit, s'il est à l'intérieur de toi, il t'y obligera. C'est pourquoi, frère, moi, je n'aime pas interdire au frère qui veut boire encore. Frère, bois. Enivre-toi.
va vomir comme tu es encore en vie. Mais je te dis que le jour où le Saint-Esprit prendra place en toi, tu arrêteras toi-même de boire. Bien-aimé, ne forcez pas les gens à arrêter de mentir. Ne forcez pas les gens à arrêter de s'essuyer, de faire l'impudicité. Bien-aimé, il y a des gens qui se prostituent parce que c'est un esprit qui les pousse à le faire. Une femme agitée quand il voit un homme. Ah, tu es beau, hein? Ça ne suffit pas à être beau. Tu peux me passer ton numéro, mais comment toi tu demandes à un homme, tu peux me passer ton numéro, pour quelles raisons? Mais elle va aller jusqu'au bout. Toi tu me plais, hein? Est-ce que tu sais que tu me plais? Non, tu es possédé, tu as des démons. Bien aimé, la prostitution aujourd'hui devient un monnaie courant, même des sœurs qui viennent dans les églises, dans les assemblées. Les gens se prostituent même dans les églises. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu es en train de regarder quel frère qui est beau ici, quel frère qui peut tomber avec moi. Non. Il y a les règles à suivre dans la maison du Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te saisir. Laisse le Saint-Esprit prendre une place dans ta vie, bien-aimé. On ne te dit pas d'arrêter la prostitution. Si tu es prostitué, continue de prostituer. Si tu es ivre, continue de t'enivrer. Si tu aimes les choses du monde, continue à aimer les choses du monde. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas mes propres paroles. C'est ce que la Bible dit. Les Écritures nous disent, dans les livres de l'Apocalypse, les derniers chapitres, que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui se suivent davantage. Bien-aimés, l'objectif de la parole de Dieu, c'est d'aider les gens de se sanctifier. C'est d'aider les autres de s'essuyer. Bien-aimés, si tu vois quelqu'un s'essuyer, avant la parole de Dieu, il n'a pas encore commencé de s'essuyer. Le véritable suivi, c'est en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne le désir d'aller t'essuyer. Ah, frère. La parole de Dieu n'a pas seulement le travail de sauver tout le monde. La parole de Dieu a un travail de sauver les hommes et de condamner les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On n'a pas même le temps, frère, de te supplier. Frère, tu vois, ta manière de marcher n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu dois te convertir. Bien-aimé, la conversion, ce n'est pas l'effort d'un homme. La conversion, ce n'est pas la mission d'un prédicateur. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul doit faire un travail en toi. Bien-aimé, un homme rempli du Saint-Esprit ne discute même pas par rapport aux boissons, par rapport aux frères. On peut prendre un verre, on comprend directement que frère, tu es encore un frère de la chair. Tu es encore charnel. Bien-aimé, un homme loin. Un homme rempli du Saint-Esprit, non? Il a un appétit. Bien, mais ce qui enlève l'appétit dans un homme, c'est les soucis de la vie. Mais nous, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Un homme qui ne s'inquiète pas de rien, il a envie de manger. Il a envie de dormir. Il a envie de se réveiller. Il a envie de chanter, il a envie de prier. Bien-aimé, si tu commences à prendre les stimulants pour faire quelque chose, il y a un problème. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes dans l'émission La Tente de Sarah.
Vous savez, frère, je vous ai toujours dit que la tante de Sarah, c'est Rebecca qui entre dans la tente de Sarah. Quand Rebecca entre dans la tente de Sarah, la Bible dit que c'est Isaac qui est consolé à cause de Rebecca. Cette émission, frère, l'objectif de cette émission, c'est de ramasser un certain Rebecca pour la ramener dans la tente de Sarah, pour que Isaac ait du repos. Bien-aimé, une femme, c'est le repos de l'homme. Dieu a créé pendant 6 jours, mais Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est pour vous dire que l'homme, après avoir travaillé, l'homme rentre le soir à la maison pour trouver son repos. La femme donne le repos à l'homme. L'homme se repose sur sa femme. Mais toi, tu es genre de quelle femme? Quand ton mari rentre à la maison, quand le mari arrive à l'heure de rentrer à la maison, ton mari n'a même pas envie de rentrer chez toi à la maison. Parce qu'il sait qu'il n'y aura que des problèmes. Bien-aimé, nous sommes en train de parler que Dieu a un langage. Le langage de Dieu, Dieu parle par des signes. Nous sommes en train de parler des langages des signes dans notre émission, la tente de Sarah. Mais regardez le premier signe qu'on a pris. Dieu, il dit à Israël pour son salut qu'il va envoyer une femme vierge. Et cette femme vierge tombera enceinte. Vous allez, je ne vais pas précipiter les choses, mais on va voir avec les Écritures. Je ne vais pas être trop long. J'aimerais m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, c'était que l'introduction de ce thème qu'on a appelé le langage des signes. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous as suivis au cours de l'émission, prends le temps de les suivre et prends le temps de les partager avec les autres. L'objectif de notre émission, frère, est de vous apporter les choses exactes et conformément à l'enseignement. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qu'on est en train de dire ici. Mais les responsables de ce qu'on est en train de dire, c'est le Seigneur lui-même. Nous parlons de la part du Seigneur parce que nous sommes les ministres de la parole. Nous mettons fin à notre discours d'aujourd'hui. Je sais que le Seigneur fera grâce à son peuple. Dans cette émission, on ne s'adresse qu'à l'épouse. On s'adresse qu'à celui qui sera enlevé. Si tu ne seras pas enlevé, dans notre émission, tu ne trouveras pas ton intérêt. Parce que ici, nous ne parlons ni de matériel, nous ne parlons ni de voiture, ni de maison, mais nous parlons que du royaume, nous parlons que des règles, nous parlons que des véritables commandements, nous parlons seulement de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Nous ne manquons pas à vous saluer. Nous disons à tous les bien-aimés que nous sommes les frères de l'Assemblée des Saints. Notre église, il se retrouve à Neuilly-Plaisance, au 20 boulevard Gallieni. Nous sommes là tous les mercredis de 18h à 20h, tous les vendredis de 18h à 20h aussi. Il y a d'autres vendredis où il n'y a pas culte, mais nous avons veillé des prières qui commencent souvent de minuit jusqu'à 5h du matin. Les dimanches, on se réunit toujours au 20 boulevard Gallieni entre Grec et Pisa Dominos. C'est à 0 minute quand tu descends la marche de la gare. Dès que tu finis la marche, tu vois, il y a Grec
entre Grec et Pisa, Dominos, il y a une porte au 20 boulevard Gallieni. Et c'était, il y avait un projet d'auto-école Église des Saints. C'est cette porte-là. Les dimanches, on commence de 15h à 18h. Bien-aimés, il y a des bonnes choses qui se passent. Nous avons des bons enseignants. Nous sommes aussi sur YouTube, sur Facebook, avec notre nom, Crispin Chibangu. Tu peux nous retrouver partout. Et voilà. Nous sommes ouverts. Si tu as des questions, tu as une proposition, parce que tout ce que nous faisons n'est pas toujours parfait. L'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections quelque part. Vos suggestions nous aidera à améliorer notre travail. Que le Seigneur vous bénisse, priez pour nous et priez aussi pour l'Église. Nous serons à vous à très prochainement pour continuer avec cet enseignement. Que Dieu bénisse aussi le frère David avec tous les projets et toute sa famille. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Shalom et bonne soirée, bon week-end, chers.